Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir que nous rejoignons sur Chanel Paola, tant de causer. Mes amis, gros actualité cap dominé dans le moment que nous avons parlé là, yo rivé kidnappé Alexander Galvez. C'est un ancien journaliste dans Radio Caraïbe. Monsieur, tu as une rubrique qui relait si causer dans Panyol. Tout le monde songeait monsieur ça. Malheureusement, les victimes de cause kidnapping dans le pays d'Haïti. L'autre point encore, c'est concernant dame ça que nous avons regardé dans la photo ça, dame ça qui est soumise. Elle était jeune arrestation et nous pas saisi tendez ça qui passait en ce moment dame ça. Mais avant, bon petit temps pour demander un bagage très important. Avant, bon dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir que nous là ensemble avec nous pour nous capable assister vidéo ça. Pas oublier abonner et puis like vidéo a une façon pour nous capable aider nous grandir Chanel ça qui relie tant de causes. Je nous dis ça mes amis, Galvez qui c'est un ancien présentateur Radio Caraïbe victime jodi a de question kidnapping ça dans pays d'Haïti. Yo enlevé monsieur sur route mal passe là, c'est dans zone ça que yo enlevé monsieur. Et selon information qui t'a venu nous ta semblé ce n'est 400 marozo yo qui enlevé Alexander Galvez. Alexander Galvez c'est un dominicain mais qui gen racine haïtienne. Donc c'est un qui vraiment remet pays d'Haïti. Si gouvernement pas fait une façon pour lui rete question kidnapping ça, ta les comme ça c'est dans palais ya. C'est dans primature. Il a entré puis il a kidnappé mon parce que bagay ça li grave. D'ailleurs c'est pas premier kidnapping que yo enregistré pour semaine ça. Yo enregistré environ 4 kidnapping. Youn là-dedans yo c'est un frère Mac Gerson Philistin qui c'est un journaliste dans Radio Caraïbe que yo kidnappé. Frère ça li relé James Philistin. Donc malheureusement yo kidnappé monsieur tout et pour jusqu'à présent li nan men nèg yo. L'autre monde qui yo kidnappé toujours, si nous songe nous te parler de ça, yo kidnappé un français qui relé Alain Sauval, yo kidnappé yo ancienne première dame qui était ancien madame Préval qui c'est Solange Lafontaine et ensuite yo kidnappé un autre citoyen qui relé Paul Dubois. Ça veut dire question kidnapping dans mes amis la faire rage dans pays a faut l'état font gens pour lui diminuer ou bien alors stopper question kidnapping dans pays d'Haïti. Bon, dossier choumi. Mes amis, Haïti, c'est un pays côté que justice la li vraiment malade. Ça que fait nous dit ça. On nous garde ti vidéo ça pour nous capable comprendre ça que fait que nous dit que justice Haïti a vraiment malade. Happy Thanksgiving Jennifer. Happy Thanksgiving pour même Mario, maman, cousin, tout le monde. Faut qu'on ait choumi salué yo. Voye bon ça pour nous tous. Choumi libéré. Choumi toujours belle, toujours frais. Toujours senti bon, toujours gai l'argent dans mon dame. C'est ça lié. Boss les boss. Dame ça qui saute parler là, c'est lui même qui était dans photo là, qui était avec Zam là. C'est lui que yo t'ai arrêté et lui annoncé que lui libéré. Li se yon boss El Gekob. Bon, qui ça qui passe avec dame ça? Qui jan ke li fait libérer? Est-ce que li te passe devant un juge? Yo que li innocent? Ou bien est-ce que c'est graissé mais juge là, juge qui était sous dossier là. Rete là, nous pral ban nou bon jan information. Mais avant, qui ça yo te reproché dame ça? Dame ça qui rele choumi? C'est une cousine Manino. Je nous dis ça, Manino était tombé jour qui était 27 août 2021. Si nous songe situation, c'est que c'était une black party que yo t'a fait dans zone Delma 75. La police mettait pied et bien t'a gagné plusieurs moun qui était tombé. Youn là d'ailleurs c'était Manino et t'a gagné un policier qui relait Mac Arthur lui t'est tombé tout. Et te gen l'autre 4 moun qui te tombé pendant affrontement ça entre la police ensemble avec moun qui te nan fait ça. La police te rive mette la patte sous environ 42 moun. La police te arrêté
moun sa yo la dan te gen plusieurs artistes qui te vinn jwenn libération yo en après et yo te mette la patte sous dame sa qui rele Choumi. Qu'est-ce que yo te reproché? Eh bien yo reproché dame sa comme quoi li te nan association malfaiteur. Tout yo te reproché comme quoi li se ou moun ki gen zam illégal. Jan wè nan photo ça, zam ki nan men lan c'est pas un zam ki légal. C'est un zam ki illégal. Eh bien li fait photo ensemble avec elle. Tout bagay sa yo te allé compte. Est-ce que nous entendez? Donc c'est situation dame ça, c'est nan pétrin ça dame ça li même li te prend. D'ailleurs, c'est États-Unis qui y a vive, c'est nan fête li te vini, nan fête cousin. Donc malheureusement, li te prend nan déblosaille ça. Yo te mette la patte sous lui. Jean wè kounya li libéré. Ça fait li libéré. Ça son belle question. Oui? Est-ce que gon juge qui te rivé tan d'elle qui wè li innocent? Li difficile nan ka ça. Pour yon moun, li gen photo côté qu'il avec zam et yo connaît tout. Li c'est cousine yon moun qui c'est yon assassin ou bien qui t'est yon assassin qui c'est Manino parce que la justice haïtienne reproche le comme quoi c'est un monde qui c'est un assassin. D'ailleurs yo te cité non Manino dans plusieurs zak brigandai dans pays d'Haïti. Juge décidé lagué mamzelle. Bon, mais ça qui causé à mes amis. Selon information Morvan yon nan moun nou capable faire une petite confiance. Li dit comme ça dans un post que li fait c'est $10,000 américains que dame ça qui est soumis bail pour yo libérer. Est-ce que nous entendez? Li bail juge là $10,000 américains une façon pour li capable joindre libération. Yon dame que yo reproché pour plusieurs bagailles avec bail un petit cob yo blanchi dossier dame ça. Mes amis, maintenant qui pays que nous avons vivre. Ça arrive tout pour plusieurs bandits des monde que yo arrêté, yo joindre des preuves que moun nan li nan yon zak assassinat ou bien yon bagay illégal. Pourtant moun sa ki yo akize a bandi sa ki yo akize a li jis ba yon ti kob yo la gel. C'est comme ça la justice pays d'Haïti mes amis la bouge. Merci parce que nous prenons temps pour nous garder vidéo ça, pas oublier abonner ça li très très important. Malheureusement yo kidnappé présentateur Radio Caraïbes la Alexander Galvez. Et nous avons l'État de justice haïtienne, côté que les gens qui ont acquise comme quoi les tenants pilsac malhonnêtes, malheureusement, ils ont la gueule. Rebranchez, nous avons tout à l'heure pour une autre information.